l'issue d'une des ordonnances du 22 septembre 2017, dite ordonnance Macron, et codifiée à l'article L2254-2 du Code du travail, il ne s'agit pas pour autant d'un dispositif complètement nouveau. En effet, ce dispositif succède aux accords de maintien dans l'emploi et aux accords de mobilité interne instaurés en 2013, lesquels, au regard d'un bilan pour le moins mitigé, ont été remplacés en 2016 par un dispositif plus souple appelé accord de préservation ou de développement de l'emploi. Les assouplissements opérés en 2016 sont apparus insuffisants. Très peu d'accords ont été conclus. L'accord de performance collective semble enfin instaurer un niveau de souplesse suffisant et un niveau de complexité supportable pour en garantir un plein succès. Ce dispositif a pour objet de permettre aux entreprises de répondre aux nécessités liées à leur fonctionnement ou de préserver ou développer l'emploi. Un accord de performance collective est un accord collectif d'entreprise, de groupe ou d'établissement qui permet soit d'aménager la rémunération, soit d'aménager la durée du travail, y compris ses modalités d'organisation et de répartition, soit de déterminer les conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. En pratique, le recours à un tel dispositif peut s'avérer particulièrement utile en ce qu'il permet d'éviter le traumatisme et la lourdeur du plan de sauvegarde de l'emploi, notamment en cas de déménagement du lieu de travail, de modification des fonctions ou de la structure de rémunération, ainsi qu'en cas de diminution du salaire et ou de suppression de primes pour une durée déterminée ou indéterminée. Il n'y a pas de contenu imposé par les textes, mais seulement des propositions. La seule obligation légale est de prévoir un préambule qui précise les objectifs poursuivis par l'accord. Le contenu dépendra de l'analyse de la situation par les partenaires sociaux et des besoins des salariés concernés, éventuellement aidés par un expert qui pourra être nommé par le CSE. Les stipulations de l'accord de performance collective se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne. Le salarié peut toutefois refuser la modification de son contrat résultant de l'application de l'accord sous un délai d'un mois à compter de son information. En cas de refus, la direction dispose d'un délai de deux mois à compter du refus du salarié pour rompre le contrat de travail selon la procédure de licenciement pour motif personnel. Les salariés bénéficient alors d'un abondement complémentaire à leur compte personnel de formation d'au moins 100 heures et bénéficient du régime chômage en termes d'accompagnement et d'indemnisation.